Michel, bonjour. Bonjour Florian. On est à Stain aujourd'hui, il y avait un match qui vous opposait à Palaiseau. Déjà résultat 19-0, très bon résultat, bonus offensif. Bonus offensif, aujourd'hui vous étiez en deuxième place. Nous sommes deuxième toujours. Toujours a priori, d'accord. Ouais. Donc on voit derrière toi les installations de Stain, superbe tribune. Mais je sais que tu rêves depuis de nombreuses années d'avoir un lieu de vie. Un lieu de vie, un club. Depuis très longtemps, nous sollicitons la municipalité pour obtenir un terrain de façon à ce que nous puissions nous prendre en charge, déposer des Algéo et faire un lieu de vie très intéressant pour nos jeunes, parce que ça nous bride dans le développement de notre pratique à Stain. Et notamment, tu voudrais faire du soutien scolaire Soutien scolaire, jeux, plein de choses. Qu'avec un lieu de vie qui sont indispensables, enfin qu'on peut faire quand on a un lieu de vie. Tout à fait indispensable. Alors, il semblerait qu'il y ait une possibilité ou une demi-ouverture ou quelque chose qui se fasse dans ce sens-là. Alors, je suis très heureux. Il semblerait que les élus nous ont fait une ouverture en nous proposant un terrain, en nous disant nous allons vous viabiliser le terrain. Qui serait sur le côté des tribunes, là, justement. Sur le côté des tribunes, je me méfie un peu, parce que les sommes municipales sont rapprochées. Oui, mais il faut espérer. Si, c'est pour ça qu'on en parle aussi, d'ailleurs, ouais, parce que c'est ton espérance depuis de nombreuses années. Ouais, et c'est vrai qu'un club avec un clubhouse, ça change tout. Bah, ça va nous changer la vie. On peut faire venir les anciens, on peut faire des jeux de bolotte, on peut faire du rami, du tarot. Oui, du lien social. Voilà. Du lien social. Bah, écoute, c'est tout le bonheur qu'on espère à Stain, parce que c'est vrai que l'école de rugby redémarre aussi en ce moment. Alors, on a une école de rugby qui est partie d'un effectif de 6 licences l'an dernier pour arriver à 32 licences cette année, avec des éducateurs qui sont très impliqués et des enfants qui sont très assidus. Et il y a un joueur aussi du club qui fait de gros efforts en communication. C'est vrai, sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux, Instagram. C'est Adrien, c'est ça? Adrien Verrecchia, on a la chance d'avoir un journaliste parmi nous et bénévolement, il s'est mis à notre disposition. Voilà, donc ça bouge, donc il faut espérer que tout ça soit conclu par ce clubhouse. On est sur la bonne voie. Merci à toi. Merci.